Salut Dragon, bienvenue sur la chaîne. Donc on est de retour sur la progression du 5 freins au développé couché. Donc là c'est la partie 6. Donc là je vais attaquer la deuxième semaine de mon cycle 4. Donc là je vais attaquer ma deuxième semaine. Donc c'est du 3 répétitions. Donc et je vais finir avec un max à 110 kg. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur la chaîne Double Dragon, donc je vais vous mettre la partie 1, la progression du 5-1. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez voir la partie 1, comme ça où j'explique tout, comment faire la progression au développé couché. Parce que là on est déjà à la partie 6. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, allez checker cette vidéo. Voilà, ça sera indiqué ici. Et puis abonnez-vous à la chaîne surtout. Puis faites tourner avec vos amis. Cette année, on va donner encore plus qu'on donne déjà. Plus de vidéos, plus de contenu. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. On fera ce qu'on peut. Et puis voilà, donc allez, c'est parti. Je me prépare, je vais m'échauffer. Et je pense que je vais peut-être bientôt faire une vidéo spéciale échauffement. Échauffement, étirement, préparation avant l'entraînement, quoi. Je vous ai déjà montré des petits bouts de ça dans les vidéos précédentes. Je pense que je vais peut-être faire une vidéo spéciale pour ça. Donc si vous êtes intéressé par ces vidéos, mettez-le en commentaire. Et puis voilà, bon, allez, c'est parti. Bon les dragons, c'est parti, troisième série à max à 110 kg. Comme d'habitude, je mets ma musique préférée qui vient de la vidéo Buddy Buddy Motivation, Scott Everyday. Loot enculé de Karim, voilà. C'est Karim Prouvé qui m'a fait écouter cette chanson de merde. Du coup là, je vais m'énerver. Quelques claques là sur les épaules et sur les triceps. Voilà. Et toujours là pour me mettre la pression. Bon, comme d'hab, on poursuit mon entraînement. En général, je vais alterner en incliné à 30 degrés. Donc, comme d'hab, hein, j'essaie de pousser lourd. Série de 8-6. Je prends les jeux au début pour m'échauffer. Je fais 10 reps. Et après, j'attaque direct sur le lourd, sur du 8-6 reps. Quoi. Allez, c'est parti. Donc là, troisième exo, je vais rester sur de l'incliné au guidé. Comme une fois où je vous avais montré, je m'arrête ici au niveau du menton. Je ne vais pas chercher à toucher les pecs pour garder la congestion. Et je pense que j'ai fini avec un drop set. Je vais faire 3 séries et la quatrième, un drop set. J'aime bien faire un drop set. Et après, ça va être des dips lestés. Parce que je décide de reprendre les dips lestés assez lourds. Parce qu'en surfant sur internet et tout. Il y a de plus en plus de mecs qui font des dips lestés à 100 kg. Et je me suis fixé cet objectif d'y arriver au moins une fois dans ma vie. Donc je vais rebosser les dips lestés tout à l'heure, d'ailleurs.
Donc voilà, j'ai fini ma série. Les drop set, comme je l'ai déjà dit, moi j'adore ça. Je vous conseille d'en faire dans votre séance. Sûrement un exo. Et voilà quoi. Donc c'est parti, là je vous dis. J'espère qu'il me reste assez de jus pour faire du lesté lourd. On va voir. Donc voilà, là je suis arrivé sur la machine pour les pecs, pour faire le centre des pecs. Et c'est sur une machine Technogym à charge automatique. Donc là, cette fois-ci, je vais pomper. Depuis tout à l'heure, je fais un peu de force. Je suis entre 6-8, voire 10 reps, mais sinon 6-8. Donc là, je vais faire des séries de 12. 12 voire 15 même. On va voir. Et là, il y a l'autre Chicken Leg qui vient de gueuler. Je sais pas si vous l'avez entendu. Chicken Leg, ouais, il n'aura jamais des excuses comme moi. Je rigole. Bon les gars, c'est parti pour le dernier exo. Je vais faire un bicep. Donc je vais faire la poulie. Vous avez vu au pec. Et enchaîner avec des pompes. Prise serrée.